Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à mijoter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Eh, hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Elles ont l'air neuves. Ouais. Il les a piquées à un auxiliaire. Ils pourront être morts de froid. Si Pearson est tellement radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où, le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré nouvelle, hein, les gars. Ah ouais. Ouais. On va devoir rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Ayello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Les gars. Eh, hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Tu nous as apporté quoi? Du chocolat? Des chaussettes sèches? Merde, des boches sur la colline, à 12 heures! Enrayez! Daniels, bute-les! Tout, cherchez-en d'autres. En voilà un autre. Merde, il a filé. Il va leur faire son rapport. Mais comment ils font pour passer la 88e? Tu devrais aller à la tente de commandement. Bordel. Thank you.
Hé, hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je... on sait pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes ? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniels vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les autres savent plus où donner de la tête. Servez-vous ! Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au Rhin. Ouais. On doit retrouver Pearson. Tous avec moi. Par ici. Des blindés Boches arrivent, ils ont franchi nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Ouvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Mais pas nous demander d'y aller avec lui. T'es du Queens, c'est pas nouveau. Hé hey, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge. Mais vite. Passez devant. C'est tout à l'envers. Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hé hey, fais ton boulot. Au moins, meurs, on est tous foutus. Ça va me prendre un peu de temps. Retenez-les. Facile à dire pour toi. Protégez Howard. Proche, on approche. Couvrez-moi. Merde. On va se faire détonner. On est cerné. Daniel, j'ai plus de temps. On tire dessus! Dagwood, White 5, je demande un soutien aérien, à vous. Bien reçu, Dagwood, White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue, à vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne resteront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive, évitez leur DCA.
Éloignons-les des bombardiers. Déployez-vous.
escorte terminée. Prêt pour appui aérien. Bien reçu, 509. L'infanterie et les engins blindés ennemis attaquent la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. Thank you.
Il est pas pour la découvrir. Au contraire. J'ai une question, Caporal. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment mon sort. Il aura sûrement une médaille pour ça. Et pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses poches complètement. Lui, ça fait mal pour le train. Hé, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il y a plus que nous, les gars. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner aurait eu...